J'accueille maintenant Norbert Hiller et Christian Bonnefoy pour la conversation suivante qui s'intitule De l'oral à l'écrit et vice-versa. Ah, je vois, il faut activer votre micro, Christian. Bon, le mien est activé, hein? Oui, bonjour Norbert. Bonjour Marie-Laure, ça Alors, va? ben oui, ça va très bien, ça va très bien. Maintenant que nous avons trouvé le chemin de la page Facebook d'Art Hebdo Média, et D'accord, ça y c'est est, là. je vois que Christian est Ça y est, vous montez. Oui, bonjour, bonjour Christian, bienvenue dans votre conversation avec Norbert. Alors pour les internautes, je présente donc D'accord. Christian Bonnefoy, peintre, et Norbert Hiller, chercheur, artiste, universitaire, essayiste, écrivain, et j'en passe. Nous avons eu la joie il y a quelques semaines d'accueillir dans les colonnes d'Art Hebdo Média, si je puis m'exprimer ainsi, un long entretien entre Norbert Hiller et Christian Bonnefoy sur le thème de qu'est-ce que la peinture? Voilà, alors comme cette joie, j'avais aussi envie de la partager à l'oral, puisque cet entretien écrit, il a d'abord été, il est le fruit finalement de nombreuses conversations entre Norbert et Christian qui nous font la joie aujourd'hui de renouveler un petit peu la discussion, ou en tout cas de la poursuivre sur ce thème de qu'est-ce que la peinture? Le faire pictural, est-ce que vraiment ça revient à penser la peinture, eh bien, il me semble que c'est ce qui se passe dans l'atelier de Christian Bonnefoy, et que la peinture est pensée, et que le geste amène la pensée, que la pensée amène le geste dans un mouvement perpétuel. Et ce partage-là, ça va se faire avec Norbert. Et autour d'Audradec, qui est un personnage d'une nouvelle de Kafka et qui a été aussi le sujet central de la dernière exposition de Christian Bonnefoy, un personnage dans lequel convergent en fait différentes disciplines artistiques et notamment la littérature et la peinture. Norbert, je te laisse entamer cette discussion. Merci Marie-Laure. Bon, on va essayer de discuter à partir de ces enjeux et de la première conversation que nous avons eue avec Christian l'autre jour, et qui a été celle-ci publiée dans Art Hebdo Média. Et j'avais envie de commencer la suite de la conversation à partir d'un ouvrage qui est assez exceptionnel, chez un écrivain lui-même exceptionnel, qui a d'ailleurs eu le Nobel, qui s'appelle Claude Simon, et qui nous renvoie tout de suite aux problématiques qui sont traitées dans ces journées que tu organises. La question que je voudrais poser, enfin la discussion que je voudrais ouvrir avec Christian, porterait ou pourrait se commencer à partir de ce livre assez exceptionnel de Claude Simon, qui s'appelle Orient aveugle, qui est généré à partir d'un tableau de Poussin, lequel représente le géant Orion, avec un petit personnage juché sur ses épaules, et ce personnage est supposé le guider dans son parcours, dans sa quête pour recouvrer le soleil, puisque je l'ai peut-être dit, ce géant est aveugle, oui. Et donc, ce qui m'a frappé depuis très très longtemps dans le livre de Claude Simon, d'ailleurs j'en ai fait un sujet de petites recherches universitaires, c'est la manière dont ce livre est travaillé, traversé, trouve son principe dans une image, dans une peinture, au fond dans une peinture de Poussin, mais il rencontre d'autres tableaux en chemin. Cet ouvrage, qui est un ouvrage littéraire, il rencontre en particulier, autant que je me souviens, des œuvres de Louise Nevelson, des œuvres de Rauschenberg, etc., etc. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la manière dont ce récit semble gouverné par un mouvement qui se reconduit. Comme en nappe, comme ça, successive, en ricochet, de forme en forme, non seulement à partir de peintures, mais à partir d'images qui sont extraites et qui, de choses d'univers très différents, mais qui présentent des sortes d'isomorphies. Par exemple, un intestin,
comme ça, et puis une forêt amazonienne ou des fleuves en Amazonie, etc. Qui, tout ça, ça circule, etc. Donc c'est un livre dans lequel les choses sont à la fois discohérentes et cohérentes. Et ce qui m'intéresse dans la démarche de Christian, c'est au fond de voir comment cet ouvrage peut servir de catalyseur pour poursuivre la conversation qu'on a déjà eue. Voilà, ensemble. Alors, oui, j'enchaîne sur Orion aveugle de Claude Simon, qui est aussi pour moi un livre de référence que j'ai lu à sa sortie dans la fameuse collection des Sentiers de la création. Donc, brillamment éclairé, illustré, évidemment sous la direction de Claude Simon. Et j'ai eu à ce moment-là l'occasion de le connaître et d'aller chez lui. Et ce que je ne savais pas, c'est que à ce moment-là, c'est que son ambition aurait été d'être peintre. Mmh. Et donc, il était plutôt écrivain, mais il continuait la peinture. Chez lui, c'était rempli de choses bizarres, c'est-à-dire des choses, des fragments, des collages de matériaux, de ceci, de cela. En tout cas, c'était du collage. Et ce qui fait, au fond, d'une certaine manière, possible. Votre propos, vous voulez être peintre, mais il fait de la peinture à travers l'écriture, voyez. Donc la peinture ou les collages qu'il fait lui servent d'argument pour se frayer une voie dans l'écrit. Mais la méthode qui est en jeu dans les deux cas, la même. Il s'agit d'un, comme tu l'as dit Norbert, d'un système de fragmentation. Alors, ce sont des gros fragments, c'est-à-dire comme les œuvres d'art constituées, Orion aveugle du Poussin, Nebsot, mais c'est aussi des petites choses. Il y a un autre roman, je ne sais plus lequel, qui commence par la description d'une touriste anglaise qui rentre dans un grand hôtel et à ses pieds, elle marche sur un tapis. Et pendant des pages et des pages, Claude Simon parle des motifs du tapis exactement comme il parle d'une œuvre clé comme celle d'Orion aveugle. Donc, tout ceci, un peu s'est enchaîné pour moi. Et bon, enfin, là, je te laisse continuer les questions. Je ne suis pas ailleurs. Non, oui, enfin, je ne pense pas. Ce n'est pas seulement des questions. C'est juste, oui, non, mais ce que tu dis est très, très intéressant et important. Mais ça nous renvoie, au fond, à ce qui est au cœur de la problématique de ton exposition, à savoir Odradek, et en particulier la question des membra disjecta, qui est un sujet majeur. Pourquoi un sujet majeur? Parce que, d'une certaine manière, tout ce que tu viens de dire et ce que je disais précédemment nous renvoie à cette idée d'un univers quand même qui est en permanence menacé d'éclatement, d'implosion, de disruption, comme on dit aujourd'hui. Et ce qui me paraît extrêmement judicieux, enfin très intéressant dans l'œuvre de Claude Simon, c'est cette sorte de chose qui ramène chaque fois au présent, un présent d'actualité, un récit, qui sinon semble se perdre en arrière-plan, en couche, en rebond, en débord, etc., et qui finalement se rassemble malgré cette espèce de dissemblance, quoi. Il n'y a pas de mimésis, au fond. Il y a comme quelque chose d'une rupture consommée, puis j'en ai très loin maintenant des premières avant-gardes avec Claude Simon, mais il y a quelque chose qui s'est acté, qui s'est actualisé, qui s'actualise dans une sorte de présent étrange, une sorte de présent perpétuel, si l'on peut dire, des membras d'éjecta, de cette dispersion narrative. Et cette problématique des membras d'éjecta, on la retrouve, je crois, au cœur de ton exposition au Dradec, si je me souviens bien. Oui, effectivement, c'est un mot que je réévaluais, qui existe depuis fort longtemps, puisqu'il a été créé par Horace, le poète latin du 1er siècle. Et ce terme, très curieux, qui servait à désigner des détails, des fragments, des déchets, déchets de texte, déchets de céramique, etc. Ce terme a disparu jusqu'à sa réévaluation au XVIIe siècle, justement à travers Poussin et Lebrun, qui l'utilisent comme technique d'atelier. C'est-à-dire, il s'agit à partir d'une esquisse de personnage, de découper les membres et les déplacer sur la feuille de papier pour voir quelle est la position la meilleure. Alors, il est évident que là, nous avons le principe non déclaré, évidemment, mais le principe du collage qui sera à venir dans quelques siècles après avec le cubisme. Donc, cette idée, je l'ai reprise là.
pour faire une sorte de jonction entre ma pratique elle-même, qui est une pratique de décomposition. Norbert, tu n'as pas dit le terme, mais c'était un peu le travail de Claude Simon, c'est-à-dire comme si la réalité n'était pas bien faite, comme si elle était insuffisante, il faut la détruire, non pour des raisons d'iconoclasme, mais pour la reconstruire. Il faut la révéler. C'est-à-dire qu'au fond, c'est l'œuvre d'art qui en résulte, qui va être la réalité, la nouvelle réalité. Moi, cette idée de main brache, je l'ai reprise. J'ai écrit un texte d'ailleurs là-dessus, qui est disponible. Et je l'ai associé à une découverte pour moi tardive de la petite toute nouvelle de Kafka qui s'appelle Odradek, lue grâce à des amis, comme c'est souvent le cas récemment. Et la description que fait Kafka du personnage d'Odradek, qui n'est pas un personnage d'ailleurs, il appelle ça une créature, c'est-à-dire ce n'est ni une chose, ni un homme, ni un objet, ni un être humain. C'est une créature qui vient d'on ne sait où. Et cette créature qu'il décrit, c'est une sorte de bobine de fil effilochée, de baguette de bois, de ceci, de cela, de vis, de punaise, je ne sais trop. En tout cas, exactement ce qu'était à la même époque, parce que là, nous sommes autour de la guerre de 14, ce qu'était à la même époque les travaux de Picasso et même au sens large de Miro et de Paul Klee. C'est-à-dire qu'ils fabriquaient des personnages de ce type avec des boîtes d'allumettes, du carton, etc. Et ça, c'est assez étonnant parce que Kafka, qui avait des centres d'intérêt multiples, a priori, comme bon, j'ai, a priori, il connaissait pas la peinture, surtout pas la peinture qui lui était contemporaine. Alors donc j'ai fait ce que j'avais déjà prévu organiser à une autre époque, ce que j'appelle une position qui est faite d'éléments de membra digecta, c'est-à-dire que vous l'avez vu passer, hein, comme ces collages qui est fait d'éléments de papier collé, découpé, reconstitué. C'est la photo d'avant, c'est celle où on voit la grande. Voilà. Cette composition est faite de morceaux de papier qui sont posés sur un mur, ensuite rassemblés, chaque papier précédent donnant place au papier à venir, etc. Donc ces choses se combinent dans une certaine mouvance, dans une certaine temporalité, un petit peu la façon dont Kafka nous parle du déplacement d'Odradek dans les escaliers. En tout cas, ce que j'ai pensé à partir de ces travaux donc, qui sont posés sur le mur, punaisés, et qui, excusez-moi, ça sonne de... qui occupent beaucoup de place. J'ai appelé ça des compositions parce que c'était pour moi l'occasion de retrouver l'intérieur de ma peinture qui jusqu'à maintenant était une peinture nettement abstraite et avec une dimension même conceptuelle, de retrouver une chose qui me manquait depuis toujours, c'était la présence d'une sorte de récit. Certes, on peut avoir des récits à partir d'éléments arrêts. El Lisitsky a écrit un livre qui s'appelle « L'histoire des deux carrés », qui est une histoire très importante pour moi. Mais il est évident que quand on dit le mot de récit, c'est la dimension littéraire qui prend le dessus. Donc finalement, là, il s'est passé une sorte de cycle un peu... ma biographie, hein, je veux dire, c'est que jusqu'à un âge très tardif, la peinture ne m'intéressait absolument pas. Je ne la connaissais pas. Pour moi, un tableau, c'était une image comme une autre, comme une image de pub et tout. Et finalement, j'ai découvert la peinture par le hasard d'être deux types de peintres et Paul Klee. Voilà. C'est-à-dire, alors Odilon Redon, pourquoi ? Parce que la charge littéraire est très puissante, hein, c'est le symbolisme français de l'époque, contemporaine Verlaine, etc. Et évidemment Paul Klee, parce que le matériel d'écriture, les titres des tableaux, etc., sont déjà des récits, des fragments de récits. Il écrit beaucoup lui-même, il écrit un journal qui est plus qu'un journal, qui est une sorte de roman, etc. Donc j'ai été amené à regarder la peinture par ce
littéraire. Et ensuite, il y a eu la grande bascule où je me suis dit, tout cela, c'est en trop, ce qu'il faut, c'est la peinture toute seule, la peinture en soi, c'est-à-dire l'abstraction la plus radicale, le rapport avec la peinture américaine de l'époque qui représentait cette sorte d'avant-garde, etc. Et puis donc, petit à petit, comme je le disais précédemment, grâce à cette technique que j'appelle par analogie des membranes d'éjecta, de petits bouts de morceaux recomposés, j'ai pu reconstruire un environnement où la dimension lyrique pouvait s'exprimer au premier plan, sans gêner la peinture. Voilà. Oui, mais si tu veux, c'est marrant parce que, d'une certaine manière, tu nous expliques qu'après cette phase d'abstraction, tu retrouves, tu recomposes, hein, un peu à la manière dont tu disais que Claude Simon recomposait lui-même le monde ou le réel après sa disjonction, etc. De la même manière, on peut dire que les grands maîtres du XXe siècle n'auront jamais été dans une abstraction radicale. Enfin, je pense à deux maîtres qui te sont très chers, Picasso et Matisse. Ils n'auront jamais été dans une abstraction radicale, et la question du corps, de la présence, de la figure, du récit finalement, de l'image d'un corps, à tous les sens de ce mot, aussi bien métaphorique, est là sous-jacente à leur peinture. Et alors ça me renvoie sur l'autre bloc, puisque tout à l'heure il était question de Michel Butor, qui a écrit un beau livre qui s'appelle Les mots dans la peinture. Dans la précédente conversation, il était question de Michel Butor, et beaucoup de nos prédécesseurs insistaient sur la question de la corporéité et de la gestualité à propos de Butor et de leurs propres travaux. Mais ça me donne quand même à penser et à rappeler simplement ici à quel point la littérature du XXe siècle en particulier, ou même la littérature de la fin du XIXe siècle, est travaillée elle-même par les images qui transforment le monde. La littérature semble habitée par quelque chose de l'ordre d'un univers pictural, de la même manière que le récit de Claude Simon pourrait dire que ce n'est pas lut pictura poesis, mais le contraire, lut poesis pictura. Bien, tout cela, en quelque sorte, cette sorte de brèche ouverte dans les formes pictural, on en retrouve l'équivalent dans cette brèche ouverte du côté des formes narratives. Je prends un exemple que je connais bien pour avoir travaillé avec Barthes sur ce sujet pendant 3 ans, c'est Un cœur simple de Flaubert. Qu'est-ce qu'on voit dans Un cœur simple de Flaubert? Bien, c'est que finalement, le récit semble comme s'immobiliser. À un moment donné, l'histoire, la diégèse narrative, comme on disait avant, semble tout d'un coup se réifier. C'est dans une sorte de surprésence du monde, du visible, des objets, du décor, des perroquets jusqu'à leur empaillement, etc., comme si, curieusement, alors qu'on entre dans le siècle de la vitesse, de la rapidité du mouvement, quelque chose d'un ordre à l'arrêt du monde tentait de se faire jour, de la même manière que Baudelaire, dans un autre registre, a pu construire une idée de la photographie tout à fait critique, hein, et de la même manière que Rodin, c'était un des éléments de notre conversation, déclare à un moment donné que c'est la peinture ou la sculpture qui sont vraies et la photographie qui est menteuse. Et il y a là quelque chose d'une résonance entre l'arrêt et le mouvement, entre le réel, disons, de ce qui se raconte selon un flux continu, selon le modèle des horloges balzaciennes du récit. Et d'ailleurs, Balzac lui-même n'est pas exempt de cette sorte d'écart, puisque dans notre conversation, dans les préparatifs de notre conversation, ou même je ne sais plus quand, on avait parlé de Fraunhofer et de cette fameuse nouvelle de Balzac qui est le chef-d'œuvre inconnu, mais on en reparlera peut-être après. Mais simplement sur cette question de la manière dont l'ordre et le mouvement et ce qui est à l'arrêt, etc., convergent et sont présents dans la peinture, je pense que c'est un sujet qui est au cœur de ta démarche. L'idée que le mouvement... Je n'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas bien entendu, là, ça grésille un peu. De ce qui est de l'ordre d'un mouvement dans ce qui paraît à l'arrêt. D'accord. Et réciproquement, si je puis dire, c'est d'accord. Une question centrale que moi j'ai retrouvée. Voilà. Je n'avais pas entendu le mot, mais effectivement, le mouvement est une des notions centrales dans mon travail, et particulièrement ce mouvement qui passe de l'image à l'écrit, de l'écrit à l'image, c'est un certain ouais. Mouvement circulaire, mais qui ne ramène pas la même chose. Hein. Donc dans le trajet, il y a une modification. C'est pourquoi au peintre dont vous parlez, mes référents,
Picasso, Matisse, comme je crois à peu près tout le monde. J'ajouterais aussi Mondrian, parce que oui. Mondrian est dans cette, ce qu'on appelait la radicalité abstraite, et quelqu'un qui a œuvré dans le sens inverse du mot, en creusant la réalité matérielle de la peinture, c'est-à-dire l'épaisseur à proprement parler, c'est-à-dire un lieu où peuvent se mettre en réserve les images, comme dans une mémoire, exactement. Donc le mouvement dont tu parles est ce qui active tout cela. Je pensais de ce mouvement de l'image au mot, en particulier qui est pris en charge dans mon travail très, très rapidement, puisque je constitue un diagramme. Un diagramme, c'est exactement le passage de ce qui est peint. Ce qui est peint produit des sortes de significations. Il produit d'abord l'essentiel, qui est l'image, entre guillemets, mais il produit des sortes de suppléments, des suppléments d'informations. Ces suppléments d'informations, j'ai pensé qu'il était bon de les fixer à leur place, c'est-à-dire dans le langage, ce qu'on appelle des concepts. Donc, mon diagramme consiste à accueillir ce que la peinture a dégagé, mais ce dont elle n'a plus besoin. Mais dans un deuxième temps, ce diagramme a pris une certaine autonomie au point de assimiler des notions qui ne sont pas seulement les mêmes, les miennes seulement, celles que que je trouve ailleurs et qui fonctionne bien. Et par exemple, les notions de sublime unité, donc qui est un terme de Edgar Poe, il y a le calme bloc de Mallarmé, la maturation posthume de Walter Benjamin, le grand transfert de Marcel Proust, etc. Donc, petit à petit, en s'ouvrant à la littérature, s'ouvre également une dimension qui est plutôt poétique. C'est-à-dire que mon diagramme, qui au début avait une fonction didactique et théorique, est petit à petit envahi par une dimension littéraire très particulière qu'on appellerait le poétique, plutôt que le littéraire. Le poétique, c'est-à-dire ce moment de présence particulière, l'œuvre et le poème sont absolument solidaires. Sur la poésie est un genre très particulier parce que il navigue à travers toutes les formes d'art. Voilà. Donc ce mouvement que j'ai suivi, je l'ai également localisé dans la peinture en m'apercevant que le tableau, puisque j'étais aussi dans le passé, de l'art, donc j'ai eu affaire à des approches et des lectures de tableaux, et ce qui m'a fasciné très tôt, et qui pour moi est le grand mystère de la peinture, c'est que il y a un temps libre dans une œuvre d'art, il y a un temps spécifique à l'œuvre d'art, c'est-à-dire, comme vous pouvez le constater, il y a de très grands philosophes, écrivains et autres qui ont fait des lectures de tableaux précis, mais qui sont renouvelés des années après, parce que ce qui a été dit sur l'œuvre n'est pas achevé. Les interprétations n'achèvent pas l'œuvre, ne la concluent pas. Donc, cela veut dire qu'il y a quelque chose comme une temporalité qui se libère au fur et à mesure que le temps chronologique, et au fur et à mesure que tel ou tel individu aborde cette œuvre. Voilà. Donc, c'est ce mouvement-là qui m'intéresse maintenant aussi. Oui, la chose principale, je crois, c'est... que signifie cette réserve temporelle, puisque le temps et le mouvement sont très liés, de même que le lieu et l'espace. Hein. Voilà. Le lieu, c'est la propriété du tableau. L'espace, c'est un peu ce à l'intérieur de quoi le tableau s'installe. Donc, il y a une sorte de dialectique qui joue entre tous ces niveaux. Bon, écoute, Christian, je crois que Marie-Laure nous envoie son épée là, pour nous signifier que c'est... On a épuisé le temps, c'est ça? Non. Ah bon, il reste 5 minutes. Je voudrais savoir si Constance... Vous voyez, on ne voit plus le temps passer. Non, c'est vrai. Le risque de donner la parole aux artistes. Hein, c'est qu'effectivement, le temps passe très, très vite. Est-ce que d'accord, Constance ou
Emma, ont une question peut-être. Je ne sais pas, je ne vois personne arriver. Donc, il nous reste 5 minutes, en fait, Norbert. Oui, Christian. Alors, moi, je veux bien, sur ce que vient de dire Christian, réagir, parce que ça me paraît très intéressant, cette idée qu'il y a une temporalité qui est à la fois, curieusement, enclose en elle-même, la littérature et chaque œuvre créent sa temporalité spécifique, et la peinture aussi, l'œuvre d'art en général, et en même temps, on ne peut pas échapper à ce temps de l'historicité qui est le temps de l'appropriation, de la réception. Il y a même eu une esthétique de la réception, à un moment donné, un courant qui a été important, porté par Hans Robert Giaus. Et donc, ce qui m'intéresse, et ça, c'est une question qu'on a déjà esquissée avec Christian, mais qu'on pourra reprendre plus tard, peut-être, à propos du diagramme, c'est que je vous ai fait passer à lui et à toi, Marie-Laure, un diagramme qui servait de prélude ou de prétexte à une exposition que j'ai vue récemment au musée de Malaga, Picasso de Malaga. Picasso de Malaga. Et ce diagramme représentait une autre forme de lecture, une autre réappropriation, une autre appropriation de l'histoire de l'art. Et l'exposition dont ce diagramme était le prétexte s'intitulait « L'histoire de l'art en tant qu'art ». Et ce qui m'intéresse dans ce qui vient d'être dit, et de ce qu'on a déjà discuté avec Christian, c'est la manière dont ces deux temporalités divergent et convergent en même temps. Le temps de l'appropriation, de sédimentation de l'histoire de l'art, qui est un temps qui lui-même n'est pas un temps statique, c'est un temps qui est fait de ruptures en cascade, et qui, ces ruptures et cette temporalité anachronique ou hétérochronique en quelque sorte, vient percuter de plein fouet la temporalité elle-même hétérochronique ou anachronique de l'art lui-même. Et c'est cette question-là qui me paraît intéressante. Umberto Eco, ce n'est pas nouveau, Umberto Eco dans l'œuvre ouverte l'a merveilleusement explicité, mais je trouve que ces questions se reposent aujourd'hui, et en particulier le diagramme. Il se trouve, j'ai eu moi à faire partie d'un jury récemment d'une thèse d'une artiste qui a intégralement consacré sa thèse au diagramme comme forme esthétique. Et ce qui m'a paru intéressant dans le propos de Christian, c'est que c'est cette idée que son propre diagramme, d'une certaine manière, d'objet heuristique ou didactique qu'il est a priori au départ, devient au fil du temps un objet qui acquiert une certaine densité artistique en lui-même, et comme si une figure se recomposait à partir de cet objet qui est un objet analytique, un objet, disons, heuristique, quoi, qui a une vocation parenthétique par rapport à l'œuvre principale, comme si on retrouvait quelque chose d'un corps, des dos, etc., quelque chose de l'ordre d'une figure qui peut faire œuvre en tant que telle. Donc le diagramme est-il une œuvre d'art en lui-même? C'est une question qu'il faudrait se poser. Et quelle est la temporalité, cette temporalité intermédiaire, quel espace-temps occupe-t-il entre le langage, entre les mots, voilà, et les images? Alors, pardon. Peut-être que Christian, si vous pouvez faire très court, peut répondre à cette question quand même importante de Norbert sur le diagramme. Est-ce que ça peut faire œuvre? Oui, il y a toute une couche de questions. Moi, je pense, alors, oui et non. C'est-à-dire, ça peut faire œuvre, mais au sens qu'il faudrait attribuer, un nouveau sens qu'il faudrait attribuer, oui, à œuvre, et que j'appelle, grosso modo, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, mais on peut en trouver d'autres, les machines. Oui. Et je prends comme exemple le premier qui est un diagramme dans l'espace, hein, qui est la machine de Brunelleschi, qui pour moi est une œuvre majeure, bien qu'elle n'existe plus, elle a disparu, c'était un objet de vérification de la perspective. Donc l'art contemporain, actuellement, a ceci de très particulier, c'est qu'il il rend nécessaire de la volonté de considérer la cause. Et c'est le diagramme qui va faire ce travail à rebroussetant, si vous voulez. Oui, c'est ça. Voilà. Donc là, j'ai été bref. Deux petites observations rapides. J'avais dit à Norbert, chose très étrange, que le diagramme de Barre, là, qui l'a montré, ressemble aux sculptures en tube de Picasso, oui, au schéma de ces sculptures en tube. Quant à moi, je me suis aperçu assez rapidement que mon diagramme, qui a un axe central, principal, ressemble à la colonne vertébrale des dos de Matisse.
Attention, Norbert, Christian, je vous remercie infiniment d'être venu discuter sur le live par Hebdomédia. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.